500 000 lieux en France métropolitaine créés par JD. Alors, single. Ok, ça. Ah. Merci, ça m'avait manqué les champs. Vraiment, super. Je veux bien croire qu'il y a 500 000 lieux s'ils sont sélectionnés avec autant d'amour. Ah. D'accord, plus c'est flouté. Voilà, ça aurait été con de pouvoir voir la rue, quoi. Merci, l'IA de Google. Extrêmement intelligent. On est à Feuilleuse. Ah mais Feuilleuse, tu peux déterminer ça. C'est bien connu, Feuilleuse. Bien sûr, Feuilleuse, dans la Gironde. C'est humide, on n'est pas... Oh, la mairie. Oh mon Dieu. Mais c'est le tiers-monde, la France. Je suis pas sûr que c'était dans l'ancienne mairie. Peu importe dans quel siècle c'était la mairie, c'est le tiers-monde, monsieur. Mais tu le maire qui marie là-dedans, plus d'invités à oh, je suis mort. Mais c'est pas possible. Oh, elle est belle, la mairie. Hein. Waouh. Donc là, on est sur la place de la mairie, du coup. Bienvenue. Non, mais elle est vraiment petite. Même à McDo, Châteauneuf. Malbois. Bah, tu cherches Malbois en France et on sera à 2 km. Ouais, enfin, sauf que je peux pas chercher, justement. Faut le trouver comme un grand, donc... Malbois, autant te dire qu'on va pas le voir. Ça me paraît un peu compliqué. C'est un peu une autoroute... Donc là, c'est que des trucs français. Ah, mais c'est vraiment petit. On est déjà sorti de Malbois. De Feuilleuse, je veux dire. Regarde, Feuilleuse, il y a trois maisons. Tu m'étonnes, la mairie, elle est minuscule. Regarde, elle commence là, elle finit là-bas. Il y a une école là. Non, mais c'est un lieu-dit. C'est un lieu-dit, ouais, c'est même pas un village à ce niveau. Bon, ben. On en a pour 20 km de route. Littéralement. On a un cimetière, écoute. Je mets à 70 maintenant, pas 80. Ah ouais, je vais vite, monsieur, là. Je me téléporte. 300, mon gars. J'ai plus aucun respect. Waouh. Il y a des moyens, monsieur, dans cette belle ville. En descendant de la grosse voiture. Je serais pas chez toi. À Dampierre, Saint-Blévy. Mais vas-y, mais... Dampierre. Non, mais tu connaîtras jamais, c'est pas possible. Ouais, non, mais Dampierre. Non, parce que Dampierre, il y en a un dans le 77. Et quand tu me dis Dampierre, moi je pense plus aux dents et à la pierre directement. C'est la... Ah, moi je pensais à autre chose quand tu dis Dampierre, je pensais pas aux dents. Oh non. Non, je détermine plus de vérité. T'as pas le droit. Clairement. Bon, par contre, vraiment, y'a rien. Déjà, en termes de végétation, pour vous, c'est quoi? Plus nord de la France? Non, pas nord. Rural. Ouais. Comment ça s'appelle? Super. On voit pas. C'est un village. Un village qui a quand même l'électricité, monsieur. Il y a la lumière. Ils ont des lampadaires. Ouais. Grand luxe. Tu sais qu'on a l'eau courante en France, hein. Ah, dans ces petits villages, je suis pas sûr, monsieur. J'avais des doutes. De 2 mètres carrés. Bon, t'as une sacrée église. Elle est énorme. Ça. On a un petit étang. Mais... aucune chance de trouver où c'est. On a une magnifique caravane, on est bien en France, c'est pas à dire. Les Châtelets. Le cliché de la caravane. Voilà. On est sur de la Renault, de la caravane. On est en France, monsieur, la France. Ah, attends, zut. Est-ce que vous connaissez les Mesnil-Thomas, Louisvier-les-Perches, Sénonche ou la Verdière? C'est pourtant bien connu. La route, Il me semble que c'est pas loin de Dreux car mon oncle habite là-bas. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas du tout sûr. J'essaie d'aider comme je peux, c'est gentil. Ça se voit qu'on est dans le désespoir avec ce. J'essaie d'aider comme je peux. Après, la question ça va être, mais c'est où en fait Dreux? Dreux? Ah, mais clairement, c'est perdu. On est pire qu'aux USA là. Dampierre Saint-Blévy. 500 000 trucs en France, ouais, super, ouais. T'as vu? Il y a des participations citoyennes en liaison directe avec la gendarmerie. Putain, c'est fliqué. On a la à l'ouest de Paris. Est-ce qu'on peut. Ouais, alors, c'est l'ouest de Paris, le ciel il est aussi blanc comme neige.
Il y a trop de végétation pour Paris, monsieur. Voilà quoi. Ah mais quand tu dis l'ouest, tu es à 200 km de Paris. Ouais mais avec la pollution parisienne, ça n'existe pas ça. Faut aller à 10 000 km pour trouver ça. Oh. C'est... On a des arbres de type très grand. Bon, c'est des conifères, ouais. C'est non, je sais pas loin de Chartres. Ah bah oui, je suis con en Chartres. Putain, j'aurais dû penser. Ah, Chartres, ouais. Ah, voyons, Nitex, bah oui, t'es con. Moi je dis là, c'est le parc régional de Gâtinais-François. Non, mais... Chartres, tu prends Paris, c'est... Dreux ? C'est ça qu'on disait tout à l'heure, Dreux ? Ouais, ah, je tombais sur Dreux. Oh, les noms de villes. Le Boulet, Thierry, mais c'est pas possible. Le Boulet, Mivoye. Le Boulet, les deux églises. C'est incroyable, les noms de petits villages. Est-ce que tu connais la ville qui est à côté de chez moi qui s'appelle Bourg-la-Reine ? Tu connais pas ? Non. Je te jure que vraiment. J'habite à Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine, allez. C'est pas possible. Bon, je sais pas, on dit qu'on est par là du coup ? Dampierre. Parce que là, clairement. On dit qu'on est à Pisseux, mais... non ? Il y a Grandville. Ouais. Non, Grandville, c'est dans la ville. Oh ! Oh, c'était là ! Là ? 21 km, on était littéralement à côté. Malbois, Ménis, mais je vois pas un seul truc de ce qu'on a vu tout à l'heure. Jaudrey, c'est non. Mais c'est quoi ces noms ? Châteauneuf, il est là. Je l'avais dit en plus. Ah bah on était pas loin, monsieur, on était pas loin. Je l'avais pas vu. T'as Châteauneuf du Pape qui est un bon vin, t'as Châteauneuf. Écoute, ça critiquait les États-Unis. En France, caravane, et des champs. Voilà. Il y a des champs pour des caravanes. Ça, c'est fait, monsieur. Alors, bah, va demander à la petite dame. J'ai un coude qui va acheter son pain. Madame, putain, mais il avance pas ce. Ok, elle est quand même vachement classe pour être dans la campagne. Elle est en petit tailleur. La mer, c'est normal. J'avoue que c'est... C'est sûr, c'est pas la mer. J'avoue, c'est bizarre. On est des petits champs. On a rien. Nous, on est au milieu du cul de la France. Au niveau du style des bâtiments, ouais. Rien de particulier. Non. Oh. C'est bourgeois. Des petites maisons un peu plus jolies. Ah, peut-être des panneaux. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On est à Poumef. Pardon, j'ai entendu Irak dans ma tête. Non, c'est tellement laid. J'avoue que ça vend pas forcément du rêve. Il y a des poubelles au milieu de la ville. Ah, attends, il y a une grosse route. Il y a un feu, monsieur. Il y a un feu. Qui dit feu dit des trucs impressionnants. Oh, le truc, Saint-Sulpice. Ça me dit un peu. Ouais, Saint-Sulpice, c'est connu. Il y avait des panneaux derrière toi. Alors. Ah, merci. Voilà. Allez, on va acheter des petites boissons. Attends, Ivrac. Ah, y'a Sheila qui passe en concert aussi. À la coupole. Ah, mais c'est vrai en plus, c'est putain. La coupole Saint-Loup le 16 novembre à 21h. Sheila en concert. Bah, en 2017. Hein. Bon. Ça me dit un truc. Ivrac. Pommeret. Bah oui. Ouais. On est vers un Pommeret. Ouais. Pommeret. Ouais. Pommeret, c'est écrit Poubé. Pas d'effort, hein. Les autres, il a vraiment. Coucou, docteur. Il est à fond. Alors, l'indicatif du téléphone peut-être peut aider. Attends, c'est cool le bistrot comme il est rénové, c'est joli. C'est joli, monsieur. On a des bus. On a des zones bien dégueulasses. Et on a des arbres. Attends, immobilier. Merde. Voilà. Immobilier Saint-Marie. 05, c'est où le 05 ? Il n'y a pas les appels pour leur demander où est-ce qu'ils sont ? C'est Saint-Loup. Saint-Loup. Ouais, dans le 33. Et qu'est-ce que je disais ? 33, ils ont. On est vers Bordeaux. On est vers Bordeaux. Attends, déjà, ouais. On va déjà afficher la France. Déjà, on va la trouver, ce sera déjà ça. La France. Ensuite, Bordeaux. Normalement, c'est par là, je crois. Grenoble. Encore, non, plus à gauche. Tu vois, tout à gauche là. Tout à gauche. Quoi ? C'est là, Bordeaux ? Ah oui, c'est là, Bordeaux. Pour moi, Bordeaux, c'était genre vers Valence. Par là. Non, c'est Valence. Ah, putain, Bordeaux, c'est là.
Ouais. Oh, la découverte. Faut que tu te dises que Bordeaux, ouais, c'était... Mais attends, mais le Bordeaux, le vin... Bah, c'est là. C'est là. Ah, mais j'aurais jamais cru. Parce qu'en soi, t'es pas alcoolo. Ah oui, non, j'imaginais vraiment plus de ce côté, je sais pas... Mais non, c'est vers la mer. Oh, putain. D'accord. Et du coup, Champagne, c'est où? Bah, c'est en haut à droite. Champagne, c'est par ici, il me semble, non? Non, un petit peu plus haut, ouais. Ouais, vers Rhin, ils font le vin doux, là. Ouais, ah bah, le vin, Rhin, c'est le champagne, d'ailleurs. Chalon-Champagne. Chalon-Champagne, voilà. Ouais. Ok. Ça, oui. Par contre, redescend à gauche. Avant de faire une... Alors, le Bordeaux. C'est Poumé ou Vrac. On l'a déjà. Ah ouais. J'ai dit que c'était par là. Il n'y a pas une de ces villes qui s'affiche parce que c'est 10 fois trop petit, clairement. C'est des petites bourgades. Non, on retourne à gauche encore un petit peu plus sur la gauche. Voilà, là, voilà. Donc on a vu Poumé, on a vu. Il n'y a pas une seule de ces villes. Attends, on va se déplacer un petit peu. Du coup, on est dans une ville quelque peu plus conséquente. On va dire un village. Ouais, enfin, un village, que j'avoue que là, on reste sur des maisons d'un étage. Mais il y a une gare SNCF. Saint-Sulpice, ah. Mais c'est connu Saint-Sulpice. Non, Saint-Sulpice, c'est parce que en fait, t'as l'église Saint-Sulpice à part. Tiens, par contre, je vais voir effectivement. Non, les voitures à droite. Les voitures à droite. Ouais, faisons les voitures. Bah, c'est le concessionnaire. On regarde s'il n'y a pas un nom de ville. Non, la ville. Tu voulais acheter une voiture en vrai. Agence de Saint-Loubès. Ah, on est à Saint-Loubès. La forêt. Ah, Saint-Loubès, oui. La forêt, monsieur. J'ai vu en Saint-Loubès quelque part. Ils s'appellent tous Saint, toi, moitié des villes. Saint-Main, Saint-Michel. Oui, mais Loubet. Saint-Symphorien. Il n'y a que ça, monsieur. Tu sens l'histoire chrétienne qui était présente. Saint-Hélène, Saint-Laurent. Putain, mais c'est impressionnant. Saint-Savin. Saint-Serein. Mais c'est abusé. Oui, mais. Ah, Pomerol. Est-ce que c'est là qu'il y a le vin, le Pomerol? Bien sûr, c'est là que ça se prend. Pomerol, c'est un rouge super réputé, non? Ouais. Et bah Saint-Émilion aussi, juste en dessous. Ah oui, Saint-Émilion, bah oui. Pomerol, Saint-Émilion. Saint-Loubès, à gauche, Saint-Loubès, sur ta gauche. Je l'ai vu. Saint-Loubès. Voilà, ici, voilà. On est là. C'est à gauche de Libourne, là. Attends, voilà. On serait par là. Bah, t'es dessus. Non, mais il faut trouver où? Pour une rue, je sais pas, un nom de rue quelque part qui peut nous orienter. Y'a Poumé. Où tu vois Poumé? À gauche de Le Suisse. À Poumé. Oui, en dessous de Jean Vidot. Le truc. Attends, du coup, comment elle s'appelle agence de Saint-Loubès? Non, on est à Saint-Loubès. Donc c'est Saint-Loubès. On est sur la rue principale là, bah attends. Il y a un E accent grave, attention. Ah. Bah, le problème c'est que c'est où on a spawné et pas là où on est. Du coup, faut sortir un petit peu. Mais à Poumé. Attends. Non mais t'es pas dans les hauteurs, on était dans un village, non? Oui, on était à Poumé. On a commencé à Poumé, Ivrac. Mais tu vois Poumé? À gauche, à gauche des places, là. Poumé? Et cherche un Ivrac, on était vers là. Bon, on te spawn, j'en sais plus. Moi, je me souviens de ces deux trucs. Je sais quoi, je mets par ici? Ouais, mais en plein sur Poumé, parce que... Là? Ouais, là. 700 mètres, monsieur! 700 mètres! 4977 points! Mais on est des machines! Eh bien, on était bien à Poumé. Voilà. Jean Vito. On était à Jean Vito. C'est beau quand même, monsieur. GG! GG, et on gagne masse. Oh, quelle originalité! Ça m'avait manqué, les champs! Ah, c'est. D'accord, non mais. Ouais, non, rien. Bienvenue dans la France Montaigne. Ah bah clairement on a la France profonde, monsieur, merde. Il y avait une plaque. Il est où le petit panneau là? Le camp. Qu'est-ce que ça? Attends, le camp. Commune de Gueux. Allez Gueux, ah, pas ça les Gueux. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce nom? Du coup comment ils s'appellent les habitants? Des Gueux. Attends, c'était quoi le panneau? Ah bah c'est la fin du camp, voilà. Le camp est fini, messieurs. C'est quoi?
Oh, t'es vraiment dans la France profonde là, t'es perdu mais nulle part. Ah. Alors, ouais, mairie Premcy, route barrée, déviation RD 227. RD c'est quoi? Route départementale. Oui, ça, route départementale 227. Premcy, c'est pas le nom d'un vin aussi, Premcy. Je ne connais point. Route départementale. 227. Ouais, mais du coup. Ah, mais du coup, faut la... Oh merde, faut la chercher. Bah mais du coup je vois pas le numéro en fait, j'ai une voie d'autoroute mais pas de départemental. Ah ouais non pas. Il faut zoomer trop. 930. Combien c'était 200 27. Départemental 940. Est-ce que ça marche comment les numéros départementaux? Parce que j'ai des 2900. Ah 920. Non, 200. Pourquoi est-ce qu'on se par 9 tout? C'est bizarre. 100. Je sais pas, c'est bizarre le système de numérotation et départemental. 3. Ça n'a aucun sens. Yeah. Non, mais sinon, continue, continue. On va... 600. Ah, 600. C'est pas en allant. Ah, ben 400. Ah 400. Après, on est en Suisse, monsieur. 460. Et du coup, ça repart sur du 1000, putain. Mais remonte, remonte plus vers la. En haut, 400. À la droite. Le pic de droite. Là. Mais là, je quitte la France, monsieur. J'adore le petit com de Elouan, les alcooliques qui se repèrent dans le monde des vins. J'avoue, la connaissance de la France grâce au vin. Bravo, messieurs, c'est bien. Tu connais pas la France, il y a la route des vins qui s'appelle. Et elle est magnifique à faire. Ça doit être qualitatif, ça marche, même. Oui. Ouais, t'es 60, on est passé à 20 d'un coup. 900, ouais, bah écoute, je pense que la départementale, ouais, c'est mort. Continue et on va bien voir. Il faut se rappeler 227, c'est possible. Ouais, vas-y, 227. Ah, c'est une route, c'est une ville fleurie à aller. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs numérotations de ville fleurie? Non, non, non. C'est une deux fleurs, écoute. Et pas sur la 227, justement, à droite. Non, il y a un truc, il y a un truc, non, sur le rond-point, juste avant, il y a un nom de ville là. Gueux. Ah, bah, mais comment tu peux t'appeler comme ça, putain? Ah, c'est une info. Pff, y a rien, y a pas un de ces trucs. Département 27, 227. Magasin ouvert pour tous. Ah, ouvert à tous, ça c'est les gens qui sont. Ouais, j'avoue. On est raciste, on ouvre pas à tout le monde, monsieur. C'est gentil de préciser. C'est assez bourgeois. Chasse. Il y a de la chasse, on est quand même dans la France. Ouais, en fait, en même temps, en France, il y a partout les viniculteurs. Il y en a partout, ouais. Quand on a en Alsace. Ah, dès que ça parle de vin, monsieur, ça s'arrête plus. Ah, bah écoute. Et là, du coup, on part dans un truc perdu. Bon bah. Dieu, on est bien à Dieu, mais on est coincé, monsieur. Ah, tiens, ils sont ouverts maintenant. On peut leur poser la question. Compas, d'accord. Attends, si on partirait plutôt par là. Bon, Dieu a l'air quand même assez grand. Champagne. Ah, Champagne. T'as, il a raison, tu vois, le vin. Rhin. On est du côté de Reims. Ok. Donc on avait dit tout à l'heure, c'était dans le nord, je suis ouvert ici. Ouais. À droite de Paris au-dessus. Voilà. Chalon en Champagne. Chalon en Champagne, pardon. Chalon en Champagne. Attends, normalement tu dois avoir. Les départementales, hein. C'était 227. Ah, regarde au-dessus, au niveau de Reims. Ah ouais, en haut à gauche, Reims. Ouais. Reims. Ah, nice. Mais y'a pas de départementale 227, c'est ça qui est bizarre. Non, je pense que tu te montres. Non, mais je disais les départementales là. Les Reims. Il y a des 1. Tu vois, il n'y a pas de 200, c'est qui est bizarre. C'est une petite route, c'est pas une grosse route. Bah, c'est une départementale. Il n'y a pas plus. Ah, quoi que si, il y en a qui s'affiche là. Ouais, vas-y. Des 26, des 22, c'était combien? 300. Des 27. Parce qu'une fois c'est marqué 27 et l'autre 227. 26. Attends, mais je sais pas comment en fait ils font pour nommer les routes, quelle est la logique. Parce que là on est à la 26, et du coup elle est la 27. Et nous, tu sais, je te répète, on cherche la 227. Non, mais c'est, tout à l'heure c'est marqué des 27 aussi. C'est la même. Ok. Parce qu'il y avait marqué des 27 aussi. La 26. Bien sûr, si tu zoomes en cours, tu peux trouver des pauvres. Non, 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 regarde, tu. Gueux! Gueux!
Oh putain, on a trouvé Gueux. C'est collé à Reims. 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 Gueux. Mais attends, on était où nous par rapport au spawn? Tilloy du coup. Non, Janvry, on a du spawn à Janvry. Non, plutôt Tilloy. Non, c'est trop là. Du coup, on a du spawn ici quoi. C'est quoi la route qui se croise Vigny. Entre Vrigny et Gueux, tu veux dire? Non, on n'a pas vu d'autoroute. Non, non, on a dû passer par ces D27. Tu vois, on a dû passer. Oui, on était ici. Il y a la 227 en plus de bloc de Reims. 227. Remonte. Alors, on était à Janvry. Bah voilà, c'est là on était. Parce qu'on a spawn dans un mini village. Vas-y, spawn là. Là moi, je pas ici. Tu mettrais où toi? Bah en fait, tu vois là les zones vertes au niveau de bloc de Reims. Ouais. Il y a une espèce de route qui fait deux angles droits là. Là? En bas à droite. Non, 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 à droite, plus à droite. À droite, du descends en tête. Voilà cette route. Bah, moi je partirais, voilà, pile là aussi. Non, c'est... non, non, là c'est l'entrée de Dieu, on était pas aussi proche. Bah, aussi, quand même. On arrivait vite sur le poste. 800 mètres, monsieur! On était ouais, juste là. On a spawné. On est moins proche que tout à l'heure. Et du coup, on est descendu par ici, je pense, on est arrivé là. Ok, bah ça va, 4273 points, on est plus trop bon, monsieur. C'est correct, hein. Et l'autre, il peut nous traiter d'alcoolique. En attendant, ça marche. Repère le mot chasse, les autres, le mot viticulteur, j'adore. Chacun ses priorités, monsieur. Résidence, la paire. Oh, c'est ça. La paire. Passionnant comme nom, c'est une envie. C'est non, par contre, ouais. Bar restaurant, c'est un centre sportif, je pense. Oula. Non, c'est commercial, centre sportif. Ah, il y a un drapeau force dessus. Alors attends, 5 octobre, qu'est-ce qui se passe le 5 octobre? C'est la date d'anniversaire de mes enfants. C'est vendredi 5 octobre, équipe de France. Super UVS, Intermarché. Attends, c'est un 06, donc on va pas pouvoir. 06, ah oui, c'est un. C'est pas ça. C'est un portable. Bar, restaurant, trinc. Alalaï. D'accord. Alalaï. Ça nous aide pas beaucoup tout ça. Mais tu vois, c'est un centre commercial ça ou c'est. Ok. Les petits panneaux. Panneaux, c'était où? Ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Zénith Palais des Sports. Bah voilà. Ça va être facile en fait. Le parking, c'est le parking du Zénith. Ouais, mais l'Artigue. C'est la zone industrielle autour des Zénith. C'est où le Zénith? Un hippodrome dans le coin là. Bah oui, il y a un hippodrome aussi. Zénith, c'est à Paris pour le 12e. Oui, non, mais pardon, il n'y a pas un hippodrome. Attends, donc Paris. Non, non, mais c'est pas à Paris ça. Non, mais il y a la zone autour. Bah, Zénith Palais, le palais des Zéniths. Ah non, il y a des Zéniths partout en France. Ah oui, oh, putain. Ah mais du coup c'est Zénith ça, du coup c'est ça le Zénith. Donc c'est ça. La... Donc c'est un petit Zénith. Ouais c'est ça, parking du Zénith. Bah oui, bah c'est le Zénith. Donc c'est une petite ville. Ça met encore des pancartes à gauche. À gauche, à gauche. Non, encore à gauche. Ne zoome pas, il te dit à gauche. Oui, gauche là. Hippodrome. Complexe de. De pelote. Alors, où est-ce qu'on joue à la pas d'autre panneau derrière? Ouais, du coup, c'est une belle jambe, le Zénith, ça peut être n'importe où, c'est un cul de la France quoi. C'est un petit Zénith. Ouais, on a un stade, on a des drapeaux autrichiens. J'imagine. Tout à fait autrichien, n'est-ce pas? Ok, donc. France-Lettonie. Alors, attends. Pau-Pyrénées. Bon, Pyrénées, bah voilà. Le Zénith des Pyrénées. C'est où les Pyrénées? Bah, c'est en bas à droite. Les Pyrénées. C'est quoi? Nation des écrans et c'est vers là. Vers Grenoble? Bah c'est entre. C'est pas Savoie, Grenoble? Entre l'Italie et la Suisse, non? C'est pas un délire comme ça. Les Pyrénées. À côté de Tarbes, Mont-de-Marsan. Moi je dis non. Remonte un peu. Non, remonte un bas. Peu. C'est en bas à gauche, toi? Mais oui, mais c'est une énorme chaîne de montagne. Pau, c'est quoi Pau? Entre l'eau et Brighton. Non, à gauche, pas à gauche, pas à gauche. Gauche, en bas à gauche. En bas de Nîmes. De Nîmes? La Nîmes à gauche, la Nîmes est à gauche. Ouais. Non, mais, non, mais c'est pas. Non, t'es plus dans les Pyrénées là? C'est les Pyrénées ça? Ah, mais du coup c'est les Pyrénées. Bah, c'est ouais, les c'est Pyrénées. Tout ça. Hein. Ah, jusqu'à la mer?
Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah là. Narbonne. Encore. Voilà. On est dans l'Espagne. C'est les Anges. Ah bah oui, les Pyrénées. Bah oui, les Pyrénées. Putain, bah oui, il y a l'Espagne. Dans le nord de l'Espagne, c'est les Pyrénées. Donc c'est là. Ouais. Donc c'est un petit peu au-dessus encore. Vous cherchez pour. Oh, ça doit être à gauche du tout encore. Gauche. Non, encore un petit peu à gauche. Oh. Oh, voilà, on est à Pau. Oh, ah, nice. Allez, tu l'as trouvé. Comment le truc qu'on a vu tout à l'heure, c'est quoi l'an, les, le panneau avec l'hippodrome? Très bonne question. On y retourne. On a l'hippodrome là. Attends, non, retourne en arrière. Attends, je vais juste reprendre déjà le nom. Merde. Mais t'avais la carte. T'avais un nom sur la carte juste avant. Serre. Non, pas. Ici? Un nom sur la carte? Oui, non, sur la gauche. Gauche. Voilà. À ta droite, t'as une carte là. Voilà. Ah, ça? Encore. Ouais. Ah, nice. L'Artigue Hippodrome. T'as une grosse ville là. On est à côté d'une grosse ville. Office de tourisme. On cherche l'Artigue. Bah c'est Pau, c'est ça. Office Pau. Ouais, je pense que ça doit être ça. C'est ça, tourisme Pau, je crois, tourismepau.com. Il y a écrit Pyrénées en bas. Oui, mais c'est à côté. Une Pyrénées, c'est toute la zone. Et là, on est à Pau, clairement. On est à Pau et on est dans la zone industrielle. Ouais. Du coup, qui pourrait être de quel côté? Golf. Ce serait la zone du. Ça serait pas ce. Non, c'est pas ça. Berlin le Roi. Il y a un particulier. Musée national. Oh, et on va être à 10 km. On part ici. Ouais, vas-y, on serait par là. 4 km, monsieur. C'était au nord, c'était là où il y a le parc, merde. Bon bah écoute. Je disais, si on se fait à la zone verte sur la carte, on pourrait peut-être nous y arriver. Ouais, c'était bien ça, bah GG, écoute. De la qualité. Dans quoi notre la bonne vieille France? La France. La France. Palais des sports de Pau, ouais, c'était bien ça. Coucou Scalianer, vous allez bien? Alors, 5 sur 5, le dernier monsieur. On est... Alors moi pour moi on est en France là. On a du maïs. Ah. Et on est quand même au-dessus du score de l'Europe. On a fait combien? Je sais plus qu'on a fait. On a plus de 18 000, je sais pas quoi en Europe. Donc là, on est à 19 000. Bon, après, forcément, c'est quand même plus simple sur que la France. Tu vas forcément être plus proche. Oh, c'est faux. Que sur l'Europe entière. Et après, c'est pareil. Par contre, là. Attends, il était flouté, mais est-ce qu'on peut le déflouter? Alors. Saint-Sulpice. Sulpice, mais c'est celui tout à l'heure. Saint-Sulpice. Ouais, c'est ce que je... On était où tout à l'heure? À Reims, non? Ouais, à Reims. C'est le truc près de Bordeaux, non? Non, c'est au nord de Paris. T'es sûr? Saint-Sulpice, c'est pas le truc qu'on était par là? Mais c'est c'était... en haut à droite. C'était le truc de Reims? Et plus sur la gueule, on était... Gueux, voilà, et c'était à côté. Ouais, on était vers là. On était là tout à l'heure. Saint-Sulpice, quoi. Et il serait où Saint-Sulpice? En tout cas, on n'est pas loin en théorie. Attends, bah du coup, Gosse Saint-Sulpice. Est-ce qu'on a une autre info, une route nationale, une connerie? Beaucoup de Saint-Sulpice, j'avoue, c'est abusé. Faut y aller pour tomber de nouveau dessus. Il faut comme le vouloir. Ah, il dit qu'il y a plusieurs Saint-Sulpice en France. Il y en a près de chez moi, c'est pas tout le même. Vous êtes chiant aussi. Ah, bah ça, si vous cassez tous nos délires aussi. Oula, on se retrouve téléporté dans un champ. Qu'est-ce qui se passe? La route, à mon avis, vu l'état, je suis pas sûr que je trouve beaucoup d'infos. Je dis ça. Mais ça a pas l'air... Qu'est-ce que je trouve ici, moi, monsieur? Eh bien, écoute, bien belle zone, en tout cas. Ah, y a même pas de... D'accord, c'est tellement perdu. La grosse sœur. S-A-U-R, on dirait. La grosse sœur.
Et c'est tellement... Je peux pas y aller. C'est même pas enregistré pour dire. On est vraiment sur un truc perdu. Y'a rien, là y'a un panneau. Sans Sulpice. Ah ouais, c'est pas le même que tout à l'heure, non? Sulpice. Ah bah écoute... C'est vrai que t'as des villes qui aient le même nom, quoi. Bon, ben... C'est du colzage, ça, non? Les fleurs jaunes. Ok, Non, il y a vraiment des problèmes sur Google Maps, quand même. Il y a quand même des... Je me retrouve dans une autoroute? Non, mais bien sûr. Ah, 95. Du coup, on va pouvoir avoir une petite info sur un... Alors, par contre, ça va faire 20 km pour une sortie, ça va être gênant. Non, il y a des trucs bizarres, d'un seul coup t'appuies et tu te... Vexin français. Tout à fait. Ça c'est pas vert. Du coup c'en était un qui a rien à voir avec l'autre ville. Ouais. Littéralement. On s'éloigne très légèrement de notre zone. Écoute, on part en voyage, c'est les vacances. L'autoroute du sud. Ah, j'ai mal au dos en fait. Ça me fait mal. Elle a passé 150 km pour rien. J'aime. Putain, mais y'a rien du tout. Tu prennes la prochaine sortie aussi. Ah bah j'aimerais bien, monsieur, je demande pas mieux. Parce que clairement là. Attends, est-ce que je peux pas me mettre sur le pont direct là? Bon, tant pis. C'est normal qu'il y ait des sorties sur l'autoroute, enfin des sorties des voies de service comme ça. C'est pour les gendarmes. À 16, je peux pas vous dire plus là. Si c'est le kilomètre 50, bah t'es forcément par ici quoi. Parce que là. Et à 50 km. Justement, donc c'est. Ça, peut être par là, ça peut pas être plus, c'est pas possible. Là, il y a bien 50 km. C'est par là, je regarde pas pour. Ah. Bon, moi je propose, je dis c'est près de Boulogne-sur-Mer. Non. Bah, et... Ah, attends, quand on rentre sur les terres avec la 16, mais du coup on est plus à 50 km là. On n'a pas autant voyagé. À Egli et Old Clocher. Près d'Abbeville. Plus dans les terres. Vas-y, ouais. On va voir. Et on est à 80 km. On était encore plus au sud, on était en dessous de Beauvais. Mais du coup, pourquoi c'était 50 km, on n'a pas voyagé autant? Alors dans ce cas, non, tu vois, elle commence, la 16 commence à Paris. Et du coup, on était à 50 km. La 16, en fait, elle commence à Paris, elle commence pas de... Et moi, avec ça, ça me disait quelque chose quand on a été à Lille. C'est un supplice. Ouais, c'était ça. Et du coup, c'était à côté de Paris. Et du coup, la 16 commence à Paris, elle commence pas de l'autre côté, en fait. C'est pour ça que ça faisait 50 ici. Non, bah écoute, on était pas si mal finalement, 80 kilos. Bah on a limité la casse. Et du coup, le total, 22 198 points. On était relais. À part le dernier qui est du coup assez loin, le reste, on était vraiment dessus. On s'est pas trop mal démerdé. C'était plutôt le GG. On connaît bien la France, monsieur. La France.